Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne Dragon Ball Legends. Nous allons parler des persos qu'on aimerait voir arriver sur le jeu parce que oui, comme vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui ont un petit peu délaissé le jeu Dragon Ball Legends parce que forcément, pas assez de contenu, ou du moins, quand on nous met du contenu, pas assez de bonnes récompenses, un gros écart en PVP entre les teams étoilées et les teams qui ne sont pas étoilées, et surtout, et c'est ça surtout qu'il faut souligner, on n'a pas les persos qu'on souhaiterait sur le jeu. Donc voici un des persos que j'aimerais voir arriver rapidement sur le jeu, c'est un Black Goku transfo en forme rosée, accompagné en mécanique de duo avec Zamasu, un petit peu comme on a pu le voir avec Broly et Chilei. Merci de la force que vous m'apportez au quotidien en mode Genkidama. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à réagir en commentaire et à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous penseriez de l'arrivée d'un Black Goku transfo rosé en duo avec Zamasu. Alors certes, il y a également d'autres persos que j'aimerais voir arriver sur le jeu. Maintenant, c'est un nouveau concept comme j'ai pu vous le dire sur la chaîne. On va y venir petit à petit. Cette vidéo est déjà pour le Black Goku transfo. Je pense que voilà, Bandai Namco et les développeurs d'IMS doivent arrêter de se dire voilà, on va garder des cartouches pour le futur du jeu. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut absolument nous balancer les persos maintenant. Voilà, le jeu a tout de même plus de 2 ans. On parle pas d'un jeu qu'à 2 semaines. On n'a toujours pas un Black Goku transfo. Alors certes, on a eu plusieurs Black Goku, plusieurs Zamasu. On a eu également un Gatai Zamasu qui est arrivé à l'anniversaire. Regardez, par exemple, à l'anniversaire, on a vu une hype être sur le jeu incroyable pour les 2 ans de Dragon Ball Legends. Pourtant, c'était pas le meilleur des anniversaires, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a eu des persos plutôt sympas, on a eu le Gatai Zamasu, on a eu le Trunks Ikari, tout ça. Après, il y avait le VB qui a fait beaucoup parler, effectivement. Moi, je trouvais que c'était peut-être un peu trop tôt pour le coup d'avoir un Végéto Blue LF qui arrivait aux 2 ans du jeu, sachant que la première année, on avait déjà eu un Végéto LF. Ça aurait été peut-être été judicieux de mettre un petit Gogeta. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus, mais malgré les erreurs dans les 2 ans de l'anniversaire de Dragon Ball Legends, il y a eu une hype qui s'est installée sur le jeu. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 15 août, cette hype n'est plus présente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas les persos que l'on souhaite. Comme vous pouvez le voir dans la box, actuellement, on a quoi sur du Black Goku? On a celui-ci, qui était sorti il y a de ça un petit moment, qui n'est pas transfo, qui est de type violet, qui a une capacité Z, surtout pour la défense physique et la défense blast. C'est plutôt intéressant, mais c'est pas oufissime. Ensuite, on a le Gatai Zamasu, rien à dire, extraordinaire, franchement, très bonne unité, personnage réussi, graphiquement, les attaques, la voix, tout, tout y est. Ça, franchement, c'est un très bon point. Donc déjà, c'est pour ça que pour les 2 ans de Dragon Ball Legends, ça a été bien maîtrisé, le Gatai Zamasu. Après, on a eu quoi? On a vu le rosé. Souvenez-vous, quand le Black Goku rosé était sorti, il y a eu une hype sur le jeu incroyable. Pourquoi? Parce que voilà, on parlait de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, il y avait l'arc Zamasu qui était là. Donc forcément, avec rosé qui arrivait sur le jeu, bah, on avait encore l'arc Zamasu dans la tête. Donc voilà, il est très bon en plus. En plus de ça, c'est une très bonne unité. Ensuite, on a eu ce Black Goku Zenkai. Alors qu'on peut passer Zenkai, je ne l'ai pas fait moi actuellement, mais on peut le passer Zenkai. Il était arrivé la première année du jeu, si je ne dis pas de bêtises, il était arrivé en même temps que Majin Vegeta et le Goku SSJ3 de type violet. Pareil, ça avait amené une hype. Au début du jeu, la première année, on a eu énormément de persos qui sont sortis. On avait du Black Goku, on avait du Majin Vegeta, on avait du Goku SSJ3, on a eu du Gogeta Transfo, on a eu du Broly Transfo, guerrier légendaire. Les gens disaient, impossible, on n'aura jamais le Broly, c'est beaucoup trop tôt pour le jeu Dragon Ball Legends. Eh bien si, la première année, boum, le Broly Transfo légendaire qui est sorti, tu vois. Mais c'était incroyable. Et là, on s'était dit, l'avenir de Dragon Ball Legends va être incroyable. Et ensuite, on ne sait pas pourquoi, on a commencé, du coup, à restreindre un peu les sorties de perso. Aujourd'hui, on peut faire le calcul. À l'époque, des grosses hypes. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de persos qui hype la communauté qui sortent, du coup. Du coup, il y a beaucoup moins de joueurs. On peut le voir. Il y a juste à aller directement dans les événements. Vous voyez là, le boss Red Coop, qui est vraiment un très bon mode. Même si, des fois, les récompenses sont pas au top. Regardez. Regardez.
Regardez, il est même pas fini. Vous voyez ou pas? Il n'est même pas fini cet event. Et même moi, franchement, j'ai un peu la flemme de le faire. Parce que déjà, bah, les récompenses sont pas là. Et puis, on a envie de voir du renouveau sur le jeu. Donc moi, pour le coup, j'aimerais voir un Black Goku Transfo forme rosée en duo mécanique avec Zamasu. Je sais pas, par exemple, une cover. J'en sais rien, moi, tu ramènes ton Black Goku Transfo, et puis en même temps, t'as le Zamasu qui vient, qui tient l'adversaire peut-être pendant 2 secondes, et comme ça, ça te permet de combo direct sur lui. Ça pourrait être un truc peut-être cheaté, mais en soi, ça serait pas mal de ramener une nouvelle... comment dire, un nouveau gameplay plutôt sympathique avec surtout des mécaniques en duo. On avait le Broly de Chile, et tout, il y en avait plein au début. Ils disaient, ouais, mais c'est vraiment trop cheaté. Chile, elle arrive, elle prend une Dragon Ball, tout ça. Ouais, mais en soi, ça restait cool. Quand ça s'est arrivé, j'ai dit, ok, là, on va passer un cap. On va passer un cap dans Dragon Ball Legends. Et puis au final, non. Ensuite, on avait eu, juste un petit peu avant ça, le Piccolo Legendary Finish Makanko Sampo avec le Goku qui vient tenir l'adversaire comme dans l'animé avec Piccolo et Goku qui tient Raditz. Moi, j'ai trouvé ça vraiment stylé. Pourquoi aujourd'hui, on n'a plus ça? Pourquoi on nous donne une chose bien et ensuite, on nous le retire, on nous le met plus dans le jeu? Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Alors, c'est bien, voilà, on nous a sorti le Gohan Transfo, on nous a sorti le Bootenks. Le Bootenks est une nouvelle unité, ok. Mais en soi, le Bootenks, les gars, aujourd'hui, il n'est pas méta. Il n'est pas méta, donc forcément, qu'est-ce qui est fort actuellement dans le jeu? On le sait, c'est la fusion, c'est la future. Allez, tu peux mettre la divin. Après, voilà, je peux comprendre que derrière la fusion, faut que ça soit ce qu'il y ait de plus fort dans l'univers de Dragon Ball. Ça, en soi, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Gogeta, Vegeto, tout ça, c'est très fort dans l'univers de Dragon Ball. Mais voilà, on est sur un jeu vidéo, je peux comprendre que par moment, on se doit d'avoir une méta super puissante avec de la fusion, mais il nous faut d'autres persos pour venir, en gros, accrocher cette méta. Parce que si on n'a pas ça, c'est compliqué. Si on n'a pas les bons persos pour accrocher cette méta, ça veut dire que si t'as pas mis 300 balles dans le jeu, que t'as pas des étoiles, ne fais pas de PVP, tu vois. Donc non, bon, par contre, c'est vrai, je tiens à souligner une chose qui est vraiment très bien de la part des développeurs, mais encore une fois, c'est beaucoup trop rare. On a les persos free-to-play Zenkai. Le Kid Goku Zenkai 7, très bonne unité. Le Trunks Legends Road Zenkai 7, très bonne unité. Et ensuite, on a eu dans le portail Invocation, dans les tirages, un Trunks de type rouge qui était sorti la première année du jeu, qu'on peut passer Zenkai 7. C'est une très bonne chose. Alors, en soi, ça coûte 6 à 7 000 cristaux, mais si un free-to-play fait attention à ce qu'il fait et qu'il veut être un minimum compétitif, il met ses cristaux directement sur des unités Zenkai et non pas des portails comme le Gohan Transfo et le Bootenks, parce qu'en soi, c'est du Legends Rising, le taux est éclaté et t'es même pas sûr d'avoir les unités. Et même si tu les as, tu vas les avoir quoi? 3 étoiles, 5 étoiles, et après? Voilà, après t'arrives en PVP face à du VB 14 étoiles, tu vas te faire éclater, tu vois. C'est là où, bon, c'est un peu compliqué, surtout le Gohan ou Bouten sont de type bleu, tu tombes sur du Kefla 10 étoiles de type vert, hop, terminé, hein. Tu vas te dire pourquoi j'ai mis des cristaux. Donc voilà, je pense que les free-to-play font vraiment qu'ils maximisent leurs chances sur les Zenkai. Moi, en tout cas, si je ne serais pas vidéaste, je mettrais tous mes cristaux sur les unités directement Zenkai. En free-to-play, c'est ce que je ferai. Je privilégierai ça et j'irai invoquer quand il y a des gros portails. À l'anniversaire, au Black Friday, à Noël. Voilà, c'est comme ça que je dilapiderai mes cristaux. Par exemple, t'attends un Mugaté. Voilà, pourquoi déjà aussi Mugaté, on l'a pas. Bref, en tout cas, moi, j'aimerais un Black Goku Transfo rosé mécanique en duo avec Zamasu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager. Il faut essayer de faire réagir, que la communauté, en fait, soit soudée et qu'on essaye de faire réagir l'éditeur et le développeur en disant, nous, voilà, on veut être hype sur ce jeu à condition de nous mettre ça, ça, ça et ça. Voilà, si ce concept de vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à me faire savoir dans l'espace commentaire, à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout,
activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouvera prochainement en live ou en vidéo. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!